que faire sur Kuala Lumpur. Voici deux spots que nous vous recommandons vivement, le sanctuaire des éléphants et passer une nuit dans une ferme totalement privatisée. C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. On commence avec le sanctuaire des éléphants. Si vous avez prévu des vacances en Malaisie et que vous allez rester quelques jours sur Kuala Lumpur, alors le sanctuaire des éléphants pourrait être une bonne idée d'activité, et particulièrement si vous aimez les éléphants et si vous êtes en famille avec des enfants. T'as vu l'éléphant, Liana ? Waouh ! Combien ça coûte ? L'entrée est totalement gratuite. Vous pouvez payer un guide pour faire le tour et vous pouvez également faire des dons. Le parking, lui aussi, est totalement gratuit. Liana, tu viens ? T'as vu ? Waouh, Liana, regarde, regarde. Un éléphant. Waouh, waouh, waouh ! C'est vraiment top, on peut s'approcher. Le plus simple, c'est d'y aller en voiture, c'est environ 1h10, 1h30 de Kuala Lumpur, ça va vraiment dépendre du trafic et de votre lieu de départ exact. Et comme d'habitude, tous les détails sont sur notre site internet, vous allez retrouver l'adresse exacte et aussi le plan Google Maps. Le mieux, c'est de s'y rendre un peu avant l'ouverture et généralement vers 10h, vous pourrez assister au lavage des éléphants. On vous conseille quand même de contacter le centre quelques jours avant votre arrivée sur Kuala Lumpur pour avoir les informations à jour, pour bien vérifier si le centre est bien ouvert lorsque vous allez venir sur Kuala Lumpur, vérifier les heures d'ouverture et le programme en détail. C'est quoi une petite banane? Donc là on peut nourrir les éléphants également. C'est top hein. Là, on peut acheter des morceaux de canne à sucre à 3 ringgit et ensuite donner aux éléphants ici. Liana va donner. Vas-y, tends. Pas le bras. Elle a peur. Tends, maman. Regarde, comme ça. Pour cette activité, vous pouvez compter une demi-journée environ et ensuite retourner sur Kuala Lumpur. Si vous désirez prolonger le plaisir, alors on vous conseille de séjourner une nuit dans une grande ferme privatisée. C'est ce qu'on va voir maintenant en détail. Voilà, on est arrivé, il est 18h10. Waouh ! C'est joli. Et là, on arrive dans Jurassic Park. Donc ça, c'est pour que Liana... Ouais. Liana, j'espère qu'elle va s'amuser avec les animaux. Yeah. How are you? Good, and you? Nice. So it's all you are privately, not but the interest, just only the workers are allowed. Voilà, ça a l'air d'être top. Donc tout ça, c'est pour nous pour deux jours, deux nuits. On va visiter la villa, c'est une petite villa. Les jardiniers, ils ont bien bossé. Hein. Voilà, donc la cuisine, c'est propre, il y a ce qu'il faut, une première chambre, là une deuxième chambre avec deux lits, une salle de bain, ouais. Après pour éviter les moustiques et tout ça,
Voilà. Top. Vous en pensez quoi? Je vais mettre l'adresse de toute façon là sur le blog et tout ça. En fait, on a un peu. Il y a la clim hein, pour info. Un petit badge pour ouvrir le portail. Donc il y a Rahman qui est en bas avec ses enfants, sa femme. Et on va lui ouvrir la porte. Ah, il est avec ses enfants. Oh oh oh! Salam alaikum, brother. How are you? Good? Pour accéder à cette ferme, c'est assez simple, il suffit d'entrer l'adresse dans le GPS et vous allez trouver facilement ce super spot. Cette ferme est vraiment cachée, sans Google Maps, nous ne l'aurions jamais repérée. Pour réserver ici, il suffit d'aller directement sur booking.com. Attention, pensez à réserver en avance, ce logement est souvent full. La maison peut accueillir jusqu'à 4 adultes et des enfants. Nous, on a réservé pour 2 nuits avec des amis, un couple avec 2 enfants également. Vous êtes vraiment en plein milieu de la nature. D'ailleurs, la connexion internet n'est pas top du tout. C'est un lieu idéal si vous souhaitez vous couper du monde et profiter de la nature. Vous trouverez des vélos à votre disposition, vous avez un grand lac, vous pouvez également pêcher, vous avez une très jolie cabane construite dans un arbre. Vous partagerez votre séjour à quelques animaux, les vaches, les lapins, les poules. Et pour vous restaurer, vous pouvez également utiliser le coin barbecue qui est mis à votre disposition. Le propriétaire propose également le service d'un chef cuisinier pour préparer vos repas. Il suffit de le prévenir en avance. Bon, le tour de vélo se fait assez rapidement hein, et c'est très agréable. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Par contre, on ne vient pas travailler ici, il n'y a pas de connexion internet. Il y a une connexion internet, mais pas très efficace. Petit conseil, à portée de quoi grignoter, le centre-ville le plus proche est à 20 minutes environ. Lorsque nous avons visité ce lieu, tous les commerces de proximité étaient fermés, probablement à cause du Covid. N'oubliez pas que vous êtes en pleine nature, donc vous allez sûrement croiser des fourmis, des insectes volants ou encore des moustiques. Yes, I will try. I never tried. Yeah. And there is a stick. Manuel. Yeah. C'est à faire ici.